Bonjour et bienvenue, bienvenue pour la survie. Je vais juste appeler la survie maintenant, parce que je sais même pas quand, si ça sort le week-end ou pas. Donc ça va être la survie maintenant. Donc, nous avons fini le jeu. Tada! Voilà. En gros, on a plus ou moins fini le jeu. On a tout fait ce qu'on devait faire. La dernière fois, on avait parlé. Je vais en parler après. Genre une nouvelle saison, on va en parler après. J'ai fait des tests et tout ça, donc ça peut être cool. On va faire quoi? Eh ben, bonne question, mon cher Watson. On est là. Je sais pas quoi faire. Il faut qu'on trouve un truc à faire, parce que bon, je veux bien encore explorer la zone, moi. Mais je veux juste savoir par où passer. On pourrait passer par là. La haute prairie, et après essayer de descendre dans la crevasse. On n'a pas un meilleur endroit pour descendre dans la crevasse. Genre, on pourrait descendre ici. Mais comment on descend ici? Genre, le plus rapide, ce serait quoi? Comme ça? Après, on avait vu qu'il y avait un chemin. Je crois ça, là. Là, il y avait un chemin, vous vous rappelez? Faudra le marquer sur la map. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça nous fait une petite balade. On fait comme ça. Et après, on essaye de revenir sur l'antre du pêcheur. Et puis après, on va ici. Ouais, on va ici et on essaye de trouver l'autre côté en fait de la crevasse là. Parce que là, on sait qu'on peut rentrer comme ça par là. Mais après, on ressort en fait par ici. Donc ouais, on va essayer de faire ça. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on va faire ça. Alors... Ah, ce bruit de sac à dos. ce nouveau bruit de sac à dos. La dernière fois, on n'avait rien posé. Il fait jour, il fait nuit. Ah! Ah, on est en pleine nuit. D'accord. On est en pleine nuit. On va simplement attendre. C'est complètement du gâchis. Hein. C'est complètement du gâchis d'attendre autant d'heures. Mais... What? Quoi? Une aurore boréale? Pourquoi il fait autant pourquoi c'est autant lumineux? Ah, il y a une aurore boréale? On va voir. Ça serait la première qu'on ait. Pourtant, on a passé du temps ici. On a passé au moins une semaine. Plus d'une semaine. Ouais. Première aurore boréale ici. Mais honnêtement, bah du coup on va en profiter, je vais vider mon inventaire et tout ça. Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant une aurore boréale ici. Parce que bah, y a pas d'électronique. J'essaye de réfléchir, mais je me rappelle pas vraiment avoir croisé des ordinateurs ou quoi que ce soit. Genre, il n'y a même pas d'antenne. Vous savez, les antennes... comment ça s'appelle? Antennes radio. Genre, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas grand-chose. On va prendre ce livre-là. Quoique, non, on va pas le prendre. Bon, maintenant, on peut aller à 45 kilos, mais c'est pas une raison. Par contre, je voudrais bien me reposer, en fait. Ouais, non, honnêtement, ça peut être joli à regarder, à la limite. Ouais, allez, on va... C'est la première qu'on a, donc allez, on va sortir. Normalement, j'aurais juste dormi. Parce que c'est pas vraiment intéressant. Comme j'ai dit, c'est pas intéressant ici. On n'a même pas vu de lampe, je crois. Genre, vous savez, des...
Bah, des lampes sur pylône, voilà, sur pylône. Très bien. Alors j'avais dit que... Bah du coup... pont. Du coup pont. On y va. On a tout. On a tout. C'est parti. C'est pas extrêmement fort. On est à combien? 39. On a encore 5 kilos de rabais, ça c'est bien. Normalement on utilise moins de... d'endurance aussi. Je crois, quand on marche avec les trucs. C'est quoi déjà qu'ils nous disent? Monter la corde, les lenteurs sont moins fréquentes. Non, ok. C'est pendant les... C'est que les cordes et après c'est moins de risques sur la glace. Moins de risques pour les entorses et... Et ouais, moins de risques pour la glace aussi. Ouais, non, il y a strictement rien ici. Maintenant que j'y pense, ouais, il y a strictement rien. D'électronique. Il y a zéro lampe, rien du tout. Ah, il y a les deux musiques qui sont en même temps, c'est marrant ça. La musique de Ash Canyon et la musique de l'aurore boréale. En tout cas, oui, alors parlons un peu de nouvelle saison. Alors, j'avais dit la dernière fois que on avait plus ou moins trouvé une raison. Voilà, c'est une raison pour faire une nouvelle survie. Parce que bon, c'est vrai qu'au bout de 5 saisons, genre peut-être la... Non, The Long Dark, on a fait 4 saisons dessus. Je crois. La première saison, c'était sur un autre jeu. Je crois. Bon, bref. On a fait quand même beaucoup d'épisodes. Voilà. On a fait beaucoup d'épisodes. Et il nous fallait un peu des raisons, en fait, pour recommencer. Parce que, bon, là, par exemple, si on recommence, tout simplement, il n'y a pas énormément de raisons de recommencer, en fait. Après, c'est vrai, comme j'avais dit la dernière fois, donc cette saison, elle est vieille. Entre-temps, il y a eu pas mal de mises à jour et de rajouts. Il y a eu deux grosses mises à jour. Donc celle-là qui est compris, là, le Ash Canyon. Ah, très bien. Mais c'est vrai que ça faisait quand même encore un tout petit peu léger. Mais maintenant, c'est vrai que dans les parties customisées, on peut mettre donc la nuit tout le temps. Et c'est intéressant. Donc j'ai fait des tests, j'ai lancé une survie en gros j'ai copié l'intrus, j'ai copié les options et les caractéristiques du mode intrus, et j'ai juste rajouté le fait que la nuit soit permanente. J'ai pris deux bonus, j'ai pris le bonus du Dark Walker, je crois que c'est là-bas le pont. J'ai pris donc le bonus du Dark Walker et la résistance au froid là de 2 degrés. Ça, de toute façon, il faut toujours le prendre, honnêtement, c'est le meilleur bonus qui puisse exister. Et c'est pas mal. En plus, je me suis fait apparaître à Milton quand j'ai fait mon test, mais c'était en intrus. Je suis arrivé au crash de l'avion. J'ai trouvé un revolver direct parce que aussi j'ai testé avec les armes à feu. Donc j'ai trouvé un revolver direct. C'est à peu près tout. Ouais, en objet rare, je parle. Donc ouais, j'ai directement trouvé un revolver avec 2 balles. Après, pour la nuit, ça va. C'est pas extrêmement, on va dire, embêtant. C'est vrai qu'il fait sombre, j'avoue. J'avoue qu'il fait sombre.
Donc ça risque de poser un tout petit problème parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, on va être en intrus. Donc il n'y aura pas trop de ressources, genre il n'y aura pas de torches partout, il n'y aura pas de... Par contre, on passe par où là? Là c'est la corde. On peut prendre la corde. Donc ouais, c'est un peu... J'avoue que c'est un peu embêtant. J'avoue que c'est peut-être un peu embêtant. Moi, pour mon heure où j'ai joué, bon, il faisait assez clair et tout, ça va. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait ça en option, bien sûr, c'est mettre les aurores boréales extrêmement fréquemment. Je pense pas qu'on puisse faire 100% d'aurore boréale, mais on peut choisir la fréquence, donc on peut faire en sorte que ça soit très élevé. Là, c'est vachement bien quand même de pouvoir prendre des cordes aussi facilement, j'avoue. Mais ouais, ça a l'air pas mal. On pourrait faire le, on pourrait rajouter le fait que les aurores boréales soient très très fréquentes. Donc j'ai pensé à ça. Et ça pourrait un peu faire une sorte de thème en fait. Genre on essaye de placer le jeu en jeu d'horreur limite, j'ai envie de dire. Donc que la nuit et beaucoup d'aurore boréale, donc les aliens j'allais dire. Les animaux sont toujours genre verdâtres et tout ça, ils ont peur seulement de la lumière et rien d'autre. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Et vous voyez que même jouer la nuit, bon bah... Ça va, c'est éclairé quoi. Il n'y a que dans les bâtiments que ça va être une galère, mais bon, ça on fera avec. C'est pas... Ah, quoique, non, même pas, même pas. Ça sera même pas une galère en fait dans les bâtiments, parce qu'ils seront aussi éclairés. Ah! J'avais pas pensé à ça aussi. Non, il y aura la lumière qui passe à travers les fenêtres et tout ça. Même s'il n'y a pas d'électronique, genre de lampe et tout ça. Ah, pas mal, pas mal. On pourrait faire ça. Je pense. Voilà, très bien. Ok. Donc ouais. Ah non, me dis pas, non. Ah non, ça va. J'ai eu peur que... qu'il y ait une tempête. C'est vrai que c'est quand même pratique hein, d'avoir 45 kilos. Hein. Parce que là, oh, il fait soleil. À chaque fois qu'il fait soleil ici, on est toujours en vadrouille et tout ça. C'est rare hein, qu'on doit faire du feu en fait. Quand on doit faire du feu, qu'on est plus ou moins forcé de faire du feu par telle ou telle raison, on est toujours... Ah mais attends, c'est pas là que je voulais aller, moi c'est là-bas. On est toujours poussé à utiliser des allumettes en fait, parce qu'il fait jamais soleil. Et quand il fait soleil, on est toujours occupé à autre chose. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense vraiment que c'est une très très bonne idée. Parce
Ce qu'on pourrait faire aussi... Ouais, non, on pourrait garder le cache-oreille, par exemple le maître, en fait, quand on n'en a pas besoin. On pourrait faire ça, hein. Mais bon, à chaque fois, ça serait... Genre, si on met le cache-oreille de 0,25, il doit passer à 0,20, je pense que c'est les vêtements sont moins lourds quand on les porte. Par contre, les crampons, c'est 0,50 à chaque fois. En tout cas, dans tous les cas, on aura toujours, on va dire, genre un demi-kilo en plus si on fait ça. Si on échange entre crampons et cache-oreille à chaque fois. Peut-être pas vraiment une super solution. Alors on avait vu là, je pense qu'on pouvait un peu descendre. On va se balader un peu. Voilà, et on va... Alors attendez. Là on descend sur la maison elle est là. Voilà. Très bien. Hop, 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 là. Ça rend les choses vraiment beaucoup plus simples quand même. J'avoue que là... Là c'est limite mode facile en fait. Même en intrus. Parce qu'on peut prendre beaucoup de choses en fait sur nous du coup. Ah, on peut prendre beaucoup de nourriture pour aller très loin, beaucoup d'eau. Ah, c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ah, on avait laissé tout ça. Il y a plein de bois. Ok, des lapins. Une potable. Ok, très bien. C'était juste pour regarder un peu en fait. Rien de très spécial. Ah, je devrais peut-être prendre plus de charbon. Non, non, c'est pas très grave. Ah, il y a des cerfs là-bas. Alors du coup, on a la maison ici, donc nous on veut aller là, sur le côté gauche. Donc on va aller tout droit. Ah ben là, je crois qu'il y a une fente là. Dans la montagne. Ah, très bien. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire encore quelques tests, voir si c'est... Genre je vais enregistrer tout ça et faire une vidéo... Pas pour moi en fait, pour la tester, pas pour la montrer. Mais pour voir si ça rend bien, si c'est pas trop sombre. Enfin voilà quoi. Faire gaffe qu'il y a beaucoup de loups ici. On peut manger, on peut finir ça. Comme ça on n'est plus avec l'odeur. Très bien. J'ai vu dans les options, on peut même, dans les options pour créer une partie, une custom, on peut même enlever le fait que le protagoniste, notre personnage, parle en fait. Alors bien sûr, quand elle se fait attaquer ou quand elle tombe et tout ça, elle fait « Oh, oh !» Ça, on va l'entendre, oui. Mais sinon... ils font plus de choses comme « Ouah, j'ai soif » ou alors « Ouah, il fait froid » et tout ça. On pourrait... on peut même faire ça. Ah, très bien. Donc, même ça, c'est intéressant, en fait. Enfin, après, c'est marrant de les entendre parler de temps en temps, mais bon. On peut l'enlever.
C'était quoi ça? Ah, c'est un sac. Sac sur une branche. Laisse-moi passer. C'est parti. J'ai mal tiré. J'ai très mal tiré. Oh la vache, il y a tout ça. Le troisième. Ouh, je crois que même il y en a un quatrième. On n'a pas froid, ça va. Let's go. Quoi? J'ai cru qu'il y en avait un derrière moi. Il y en avait bien un quatrième en face, mais j'avais l'impression... Je sais pas, c'est bizarre. On l'a pas, là. Non, il y en a pas. Très bien. Voilà. Y a aussi une chose, c'est que quand vous dormez, ça je sais pas si je l'ai déjà expliqué ça, quand vous dormez et que vous avez par exemple le sac de couchage qui est un peu loin de vous mais vous pouvez quand même interagir avec, quand vous allez dormir, votre corps il va être considéré à l'emplacement où vous êtes, pas où le sac de couchage est. Et vous allez me dire, oui, mais ça change quoi? Ça change énormément de choses. Par exemple, si vous avez un feu qui est à côté d'un sac de couchage, et que vous n'avez pas l'effet parce que vous n'êtes pas en fait du côté du feu, et que vous commencez, que vous dormez, du coup, bah, vous n'allez pas avoir la chaleur. Même si le sac de couchage touche le feu. Même si le sac de couchage touche le feu. Donc faut faire attention à ça. Et ça marche pour tout en fait. Donc, par exemple, si vous vous baissez et que vous dormez, bah, vous serez comme si vous étiez baissé, en fait. C'est comme se baisser avant de sortir d'une maison, par exemple. Du coup, les loups et tout ça vont pas directement vous sentir, en fait. Donc, c'est important de faire attention à ces choses-là. Il y a une corde. C'est pour ça que aussi quand je dessine, je me mets toujours accroupi en fait. Ça va où là-haut? J'ai l'impression qu'on se fatigue moins aussi quand on marche. On va aller un peu dans le là, mais normalement on sait où ça mène. On n'a pas vraiment besoin d'y aller, je vais juste regarder, mais on est déjà en fait venu jusqu'ici, et après, mais on n'est pas sorti.
Oui, on connaît, oui, c'est bon. On connaît. On va monter. On va s'arrêter à la première. Au premier arrêt, on va dormir une heure. S'il fait pas froid en plus. Ah, c'est parfait. On a beaucoup de bois sur nous. On a beaucoup de bois. Là, c'est vraiment vraiment cool. C'est normalement on devrait pas pouvoir faire ça. Là ce qui est bien c'est que en intrus, je parle strictement en intrus, parce que si vous êtes en dessous d'intrus, en fait vous n'avez pas vraiment besoin d'être autant préparé quand vous sortez, parce que vous trouvez des choses extrêmement facilement. Mais en intrus, il nous faut à chaque fois genre. Je dirais au moins 2 litres d'eau, je dirais. Et après, ça dépend si vous mangez, si vous voulez garder toujours être en, si vous voulez toujours avoir les calories en positif ou pas. Donc du coup, il faudrait au moins 2 kilos, ça dépend bien sûr la distance que vous parcourez. Mais il faudrait peut-être au moins 1 kilo de viande ou 2 kilos de viande, donc déjà, ça prend beaucoup de place. Et après, bah c'est un peu impossible en fait de prendre du bois sur vous, par exemple. Non. C'est un peu impossible de prendre du bois ou alors ou des choses comme ça. Parce que si vous avez un sac de couchage en plus, si vous avez plein de choses comme ça, en fait, ça prend énormément de poids. Et si vous devez prendre des cordes, bah c'est une catastrophe, quoi. Donc vous arrivez vite. Ah, très bien. Vous arrivez vite en fait aux 40 kilos. Et du coup 40 kilos ça veut dire que déjà il faudrait avoir le... Oui, je me rappelle, on était passé par là. Il faut avoir donc le sac en élan. Il faut avoir le bonus de 48 heures. Donc c'est beaucoup de choses à chaque fois. Et là, avec le bonus encore de 5 du super sac, là, honnêtement, ça devient vraiment, vraiment tranquille. Ça devient vraiment, vraiment cool. Parce que là, je peux complètement m'arrêter dans un coin. J'ai encore de la nourriture, j'ai encore de l'eau pour plusieurs nuits. Et j'ai énormément de bois aussi sur moi. Genre, regardez tout ce qu'on a. On n'a jamais autant, en fait. Quand on a autant, c'est parce qu'on rentre à la maison ou alors on essaye de faire un feu, en fait. Donc on essaye de récupérer le plus de bois possible. Mais là, on n'essaye pas de faire un feu. Là, on avance. Là, on avance tout simplement. On explore. Et si on veut, on s'arrête et on fait un feu pendant au moins 20 heures, là, avec tout ce qu'on a. Facilement 20 heures. Et on est toujours dans le vert. On est toujours dans le vert. Oh putain, il y en a plein, là. Bien. Donc ça c'est énorme ce sac, c'est énorme. Ce bonus de 5 kilos encore une fois là. C'est vraiment vraiment cool. Wait. I'm so cold, I'm warming up a bit. J'essaye d'un peu voir où on est du coup, parce que là je suis un peu perdu. Bon, c'est pas grave, on a froid. Mais... Ok, c'est bien. J'étais pas trop sûr, je pensais que notre toute première grotte était là, mais j'étais pas complètement sûr. Donc ça c'est bien. Ah, très bien. Là, on est limite, on a l'impression, pour moi, j'ai l'impression limite qu'on est même plus vraiment en intrus, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut faire face à... Oh la vache, il y a encore une corde ici. On peut faire face un peu à tout ce qu'on veut, en fait. On va dormir.
Elle mène où cette corde? Il y en a tellement des cordes. On va d'abord prendre la corde et après dessiner. Parce que si on dessine au pied de la montagne, c'est con. Très bien. Donc ouais, donc c'est vraiment intéressant ce truc en plus. Allez vite, on va être en dessous des 45 secondes. Fou. Bien, bien, bien. Ah, fait nuit déjà, j'avais pas vu. Il va falloir trouver un endroit pour dormir. Oui, parce que là, il commence un peu à faire nuit. Pont des Fuyards. On connaît pas ici. On connaît ici ou pas? J'ai l'impression que je connais, mais je suis pas complètement sûr. Aussi pour se déplacer dès qu'on est dans le rouge en fait. Après c'est exponentiel avec le poids évidemment, mais on est de plus en plus lent. Donc le fait d'être toujours dans le vert aussi, c'est vraiment sympathique à niveau... niveau mobilité, c'est vraiment vraiment bien. On n'a pas vraiment besoin de sprinter ou quoi que ce soit. J'ai envie de dormir ici parce que il y a une corde et je voudrais bien les dessiner en fait, toutes ces cordes là. Ah, non, il n'y a pas de corde, je crois. Mince. Il y a un rocher sans corde. Mais je sais pas où ça mène. Vous pensez qu'on a laissé une corde dans la toute première grotte ou pas? Je suis en train de me demander. On est où là? On est sur la prairie? Je crois qu'on est de retour sur la prairie. Genre là, genre la haute prairie. La haute prairie, c'est avec les cordes. Et je crois que ça c'est ça ce qu'on regarde en fait. Donc du coup, on est en face. Donc on est là. Je crois qu'on est juste là. Ah oui, c'est ça. Pont des Fuyards. Ouais, on est juste là. Donc il y aurait aussi un passage par ici. Intéressant. Bon, du coup, nous, on est un peu bloqués. Putain, c'est con parce qu'il y a la grotte là-bas, là. Mince. On peut pas descendre... Une grotte ça? Ou c'est juste un rocher? Ouais, non, c'est juste un mur. Je sais pas trop où aller là. Vous voyez que là il commence à faire donc là c'est plein nuit hein. Là c'est full nuit et vous voyez que on voit pas trop quand même.
Et si c'est pour avoir un gameplay tout le temps comme ça, ça risque d'être relou quand même. On va descendre comme ça. J'ai envie de dire que ça risque d'être un tout petit peu relou. On est où? Je pense qu'on va aller à la grotte, à la première grotte, je pense. Faire attention qu'on descend parce que je vois pas le relief en fait, vu que c'est blanc. J'ai du mal à voir le relief, parce que c'est blanc et sombre. Du coup... Du coup c'est là-bas. C'est là, c'est à droite, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Non. Non, j'ai pris la carte à l'envers. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La première grotte. J'ai vu ça aussi, j'ai vu un truc aussi dans les options là, parce que je parlais des options tout à l'heure. Apparemment, alors je pense qu'en intrus c'est aussi pris en compte. Apparemment il y a une option pour plus le temps passe, bon bien sûr plus le temps se dégrade et tout ça, mais plus le temps passe aussi et moins il y a d'animaux. J'ai trouvé ça un peu étrange parce que... C'est où qu'on avait fait du feu? Je vois rien, c'est la merde. On n'avait pas fait de feu ici? Ah c'est là, putain, je voyais rien. On va faire ça. Donc, oui, il y a ça. Mais j'ai jamais vraiment trouvé que les animaux, en fait, disparaissaient dans nos aventures, dans nos survies. Alors, je sais pas si j'ai pas remarqué, mais des fois, il y en a plus. Mais c'est parce que ça migre, en fait, j'ai envie de dire. Ça tourne. Enfin, non, je sais pas trop quoi en penser en fait d'avoir vu cette option. J'ai pas l'impression qu'il y ait moins d'animaux en fait pour moi. Alors peut-être à la limite il y a plus de loups. Et même ça honnêtement, non, honnêtement non. Je dirais que non. Il n'y a pas moins d'animaux en fait. C'est juste que bah, ça tourne de temps en temps. Genre si on prend par exemple, je crois que le meilleur exemple que j'ai, bah, le lac Mystère ou alors l'autoroute côtière. Par exemple le lac Mystère dans notre camp là. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas cliquer dessus, il faut faire ça, c'est chiant. Dans notre camp en plein milieu, quand on est là, des fois il y a des cerfs en fait qui se baladent ici. Et des loups sur la glace. Et des fois, on a des cerfs ici, et après, les loups sont plutôt sur les rails. Ou alors, ici, il y en a souvent, ici, il y en a souvent. Mais des fois, c'est les loups, en fait, qui sont sur les rails et pas des cerfs. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, quoi, pour moi, c'est pas, ils diminuent pas, quoi. Donc, je sais pas si cette mécanique est prise en compte dans le mode intrus normal. Pas dans le custom, juste dans le normal. Normalement, oui. Mais, je sais pas.
pas vraiment l'impression. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, non, non, on n'a pas encore fait notre heure. On va continuer un peu. On va dormir 10 heures et on va continuer encore un tout petit peu. Voilà. Ah. Ah oui, j'avais un peu... Ouais, oui, non, c'était pas... J'aurais dû laisser... Oh. J'aurais dû faire durer le feu, en fait, pendant toute la nuit. Alors, attends, d'abord, on va faire ça. Ah, j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû laisser le feu toute la nuit. Parce que là, il va falloir le... en refaire un, en fait. Si on veut avoir chaud. Aïe. Faut voir si c'est mauvais. Ouais, c'est mauvais quand même. Bon, bah. Ouais, non, c'est un peu con ce que j'ai fait. Ah, j'ai envie de me taper. Parce que là, on va encore utiliser un feu pour rien, en fait. Enfin, une allumette, une autre allumette, c'est du gâchis. C'est complètement du gâchis, par contre. Là, c'est... Ouais, là, c'est complètement gâchis, en fait. Si on... Ouais, c'est moins 21. Non, on peut pas. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Ben, je crois qu'on va rentrer, après ça on attend que la tempête s'arrête et on rentre. Voir un peu le feu. Ouais, très bien. On n'a rien à faire en plus. J'aurais vraiment dû prendre le, le livre. Il nous restait qu'une seule heure, donc on aurait pu complètement le lire en fait. Ah mince. Mince. Ouais, on n'a rien à faire. Ah si. Ah bah ça se calme un peu. Ça se calme un tout petit peu. Ah, très bien. Faire un peu d'eau. Hop. Donc ouais. Donc là on va. On est où du coup? Nous on est là. On va pas aller là parce qu'on va pas reprendre des cordes, c'est chiant. On va descendre, on va continuer, on va revenir à l'antre du pêcheur. Et on s'arrêtera là, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Notre petite excursion. On n'a rien trouvé de très spécial, mais... Mais au moins c'est fait. Ça va, ça nous fait un petit épisode tranquille. Bon bah, on n'a pas fait grand chose, j'avoue. Mais bon. Des fois, hein, comme j'ai dit, on sait pas... C'est pas tout le temps Indiana Jones. Hein. Ah oui, oula. Si on oublie le... si on oublie le... le truc là, le... Mince, le sac de couchage.
Honnêtement, ça va être vraiment cool. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire... Parce que là honnêtement, c'est tranquille. Bon, parce qu'on a les augmentations, les améliorations et tout ça, niveau 5 et tout, machin. Mais on a aussi, voilà, le nouvel équipement. Donc, je me dis que ça aurait été vraiment cool de pouvoir en profiter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir en profiter pour les choses dangereuses qu'on a fait. Genre, par exemple, tout le Mont Timberwolf, en fait, on le fera jamais. Maintenant qu'il y a cette nouvelle zone, le Mont Timberwolf, mais jamais je le fais sans les crampons et sans le sac, hein. Jamais. Genre, quand on ira au Mont Timberwolf, c'est parce que on ira d'abord au canyon des cendres, hein. Y a pas autre chose. Y a pas à choisir, là. En plus, on n'a même pas besoin de prendre de cordes pour y aller, donc... Ah oui. Ouais. En plus, je pense que c'est assez facile, parce que... on va directement monter au canyon. Après, ce qu'il nous faudrait en fait déjà, c'est un abri. Donc on connaît bien la... En plus, on connaît bien la map. Je connais bien la map maintenant, je suis content. Donc le mieux, ça serait... je parlais trop. Ce que j'allais dire, en plus, il y a des loups ici, faut faire gaffe. Vas-y, ramène-toi. Oh non. Ne me dis pas que tu bugs. Il est trop... On est trop près de la torche. Ah, t'es relou. En fait, on est... ça monte, ça descend, là. Donc, on est très mal positionné. Hop là. Là. C'est Call of Duty ou quoi là? Il est passé où ce con? Désolé, je parlais pas parce que j'étais super, super concentré. Parce que sur le coup, j'étais en train de me dire, on avait mis deux flèches donc à lui là qui est en train de courir. Je me suis dit, merde, je suis en train de bander l'arc et l'autre il est tout près de nous. Donc il va voir que c'est un acte d'agression, il va me foncer dessus. Et c'est pour ça que je me suis vite retourné. Si j'avais attendu genre une ou deux secondes de plus, on était, il nous sautait dessus. Il était sur nous. Attendez, faut chercher les marques là. What? Ok, c'est bon. On a les marques. Il est là.
c'était vraiment relou. Toi. Putain, mais... On a failli se prendre la flèche. Il change de direction comme un débile là. Enfin! Trois flèches dans le cul comme ça. Ah, flèche ramassée x3. Très bien. C'est bon. On n'a rien perdu. Hein. On n'a rien perdu. Hein. Quasiment positif qu'on n'a rien perdu. On a juste eu peur. Mais ouais, non. Quasiment positif qu'on n'a rien perdu. Donc oui, j'étais en train de parler de quoi, moi? Oui, la maison. D'abord, on va... Genre, la maison, là, la toute première qu'on avait trouvée. Et puis après, on sait, en fait, directement où aller pour... Ah, mais j'avais dessiné ça. On sait directement, en fait, où aller pour monter au niveau des ponts. Donc, du coup, bah, c'est derrière la cascade. Après, on prend la grotte. Ah, si je dis pas de conneries. Genre, en gros, on arrive au mont... pardon, au canyon. Au canyon. On se déplace vite. Je sais pas où on arriverait. Je crois qu'on arrive là si on prend pas la corde du mont Timberwolf. Donc, on fait ça. Ligne droite. On arrive à l'antre du pêcheur, tranquille. On reste là, on dort, on fait ce qu'on veut. Puis après, on monte. Passe derrière la cascade. On prend cette grotte-là, on se retrouve ici, normalement, je crois bien, si je dis pas de conneries. Et on sera... Ah oui, non, c'est ça, parce qu'après, il y a la descente, en fait, en arc de cercle, là, avec l'ours. Et on arrive sur la fabrique du mineur. Et de ce point-là, après, on est tranquille, en fait. On est super tranquille. Donc, on a juste à faire le chemin, à suivre les pancartes. Les pancartes, elles sont comment? Je crois que les pancartes, elles nous font passer par ça. Hein. Je crois qu'elles nous font faire ça, en fait, les pancartes. Comme ça. Donc du coup, on arrive à côté de la corde. Mince. On arrive à côté de la corde, on descend, on prend le matos et on se casse. On n'a même pas besoin de rester très longtemps ici. Hein. C'est très simple. Mais j'avoue qu'il faut quand même un peu de matériel avant. Genre, faut des bons vêtements, il faut peut-être un arc et tout aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de loups et tout. Mais vous avez vu le chemin que j'ai montré, il est super simple en fait. Hein. On peut le faire même en une fois. Hein. Sans vraiment s'arrêter. Hein. Donc... Donc ouais. Donc c'est vrai que ça, je suis content. Parce que c'est vrai qu'on a tellement passé de temps en fait dans cette zone, maintenant je la connais vraiment bien. Et je l'apprécie énormément aussi, je l'apprécie énormément. Comment elle fonctionne et tout. Donc je trouve ça sympa. Pas vraiment très compliqué en fait pour trouver le matos, donc ça c'est cool. Bah du coup on n'a pas fait grand chose, ouais, on a trouvé des nouveaux endroits, des nouvelles cordes à franchir et tout ça. Mais j'avoue qu'on n'a pas fait, ouais, on n'a pas fait des masques. Quoi. Hop. Donc je suis en train de me dire, est-ce que on continue ou pas? Je sais pas trop. Ouais, non, je sais pas trop si on continue ou pas l'aventure. Parce que dans un sens, j'ai envie de me... Vu que je suis motivé maintenant, j'ai envie de passer directement à la nouvelle saison. Avec...
avec tout le temps nuit et tout. Après, j'ai envie de me dire, si jamais on fait une nouvelle saison, est-ce que je choisis l'endroit où apparaître ou pas? Parce que c'est vrai que tout le temps la nuit, avec Aurore Boréale tout le temps, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même très très difficile. Donc peut-être que on devrait commencer à un endroit genre comme Milton. Ça serait bien. Je vais voir ce qu'on a dehors. Ouais. Après ouais, non, ça serait peut-être un peu trop facile. Je sais pas trop. On connaît bien les maps, donc c'est pas très grave. Mais en fait j'ai un peu peur de commencer dans des zones un peu pourries. Genre, si on commence dans des zones du genre le Mont Timber... Enfin, quoi que même le Mont Timberwolf... on va à la cabane en bas, et puis après, on est dans la... On est dans la vallée charmante, quoi. C'est pas extrêmement dur non plus. Par contre, si on est dans le canyon, si on commence dans le canyon... parce qu'on peut commencer dans le canyon... c'est un peu la galère, par contre... Parce que les endroits à fouiller, bah, il n'y en a pas tellement. C'est de l'eau impropre. Hein. Ouais. Je sais pas, j'avais dans l'idée de choisir où apparaître en fait. Et après, les autres zones, c'est simple. Genre Lac Mystère, c'est simple. On va regarder la map avant de partir. On va regarder la map vite fait. Bon bah, on n'a rien à faire. Hop, on rentre. Vous avez vu un peu la facilité qu'on a pour se déplacer maintenant? Avec les 45 kilos en tout? C'est presque jour et nuit quand même. Hein. Je veux pas dire, mais c'est presque jour et nuit. Genre, si on commence à la vallée de la rivière Calme, bon c'est la merde. Honnêtement, on reste pas là. On va directement à Milton. En plus, on serait directement dans Milton. En fait, commencer à Milton ou commencer à la vallée de la rivière Calme, c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment plus ou moins la même chose. Donc, ça serait simple. Si on commence à la voie ferrée détruite. La voie ferrée détruite est pas mal. Hein. La voie ferrée détruite a des très très bons endroits. Voie ferrée détruite. Il y a des très très bons endroits en fait. Genre là, la gare, là, il y a le gros bâtiment, il y a plein de trucs à prendre. Si on continue de ce chemin-là, après on arrive sur le pavillon. Le pavillon, il y a beaucoup beaucoup de choses aussi à prendre. Après tout le long comme ça, il y a aussi des objets, il y a les voitures à fouiller, exact. Il y a des massettes là, il y a des lapins, il y a des loups évidemment. Il y a même un ours, il y a tout. Enfin bon, après bon, c'est vrai que si on commence là, on pourra pas tuer tout le monde, on pourra juste aller prendre des lapins. Mais c'est pour dire, donc ça aussi c'est simple. Milton c'est simple, vallée de la rivière Cam c'est simple parce que c'est on ira directement à Milton. Muskegmorn, ça serait horrible. Muskegmorn, en fait, on irait directement au lac Mystère. On va pas se faire chier. Muskegmorn, on court directement au lac Mystère et basta. Le lac Mystère, c'est très simple à survivre. La crique lugubre. La crique lugubre, est-ce que c'est simple à commencer? La crique lugubre, il y a pas mal à fouiller. Hein. La crique lugubre. Il y a quand même pas mal à fouiller. Il y a des gros bâtiments ici. Après, là, il y a des petites maisons, là, quand on remonte, en fait. Il y a le phare, ici, qui est là, je crois. Le phare détruit, là. Il y a des bons endroits, mais ouais, non, mais on n'arriverait peut-être pas à survivre avec, avec les loups qui nous coursent tout le temps, là. Ça serait chiant. Ça serait vraiment chiant. Donc, ouais, la crique lugubre, ça serait très, très relou. Après, le Mont Timberwolf, comme j'ai dit, ça va. Mais honnêtement, je resterai pas au Mont Timberwolf si j'apparais là. J'irai directement à la vallée charmante. Après, aller directement au canyon descente, c'est pas non plus intéressant parce que ça va être trop compliqué pour se déplacer si on n'a pas de matos. Donc on irait directement à la vallée charmante en fait. Et après, de la vallée charmante, on va ou à l'autoroute ou on va au lac Mystère. Après, l'autoroute, c'est super. Le site de désolation. Le site de désolation, il y a quelques endroits fouillés qui sont sympas.
C'est pas très compliqué pour se déplacer parce que c'est tout dans l'eau en gros, c'est l'eau gelée quoi. Donc on irait directement après à l'autoroute côtière. Ouais, honnêtement, c'est pas très compliqué hein, le jeu une fois qu'on. Enfin, les régions une fois qu'on connaît. Hein, qu'on connaît un peu les maps et tout ça. C'est pas très compliqué, hein, genre Valais. Genre. Valais, on va à Hamilton. Voie ferrée. On peut y rester, puis après on va au lac Mystère. La crique lugubre, c'est la mort. Lac Mystère, super simple. Autoroute côtière, super simple. Site de désolation, on peut y rester un peu, et après on va à l'autoroute côtière, super simple. Valais charmante. C'est super simple au début aussi, c'est très très simple de se déplacer, puis après on va directement ou à l'autoroute côtière ou au lac Mystère, donc super simple. Si on commence au canyon, ça va être la merde, ça dépend d'où on apparaît. Mais il faudra directement aller au Mont Timberwolf, on pourra rester à la cabane, là, comme on avait fait. Et puis après on va à la vallée charmante, lac Mystère, autoroute. En gros, il faut aller vers le centre pour le... En gros, ça se joue entre le lac Mystère, l'autoroute côtière et la vallée charmante. Pour avoir un bon commencement. Et bien sûr, Milton tout à gauche, si on est vraiment tout à gauche. Voilà. Donc ouais, on fera quand même aléatoire, je pense. Après, bon, si ça se passe mal, de toute façon, je recommencerai, c'est pas grave. Mais ouais, on va peut-être garder quand même l'aléatoire. Ça restera bien intrus dans l'esprit. Voilà. Je sais pas trop si on va faire un autre épisode. Honnêtement, je sais pas trop. Parce que je pense qu'on a fait plus ou moins toute la région. En gros, ce qui nous reste, ça serait des détails. Genre des petites grottes qui doivent nous manquer, des choses comme ça. Donc, ouais, je sais pas trop si on fait un autre épisode. On verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous aurez apprécié. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la nouvelle saison et tout ça. Je sais pas quand elle arrivera. Honnêtement, c'est sûrement... Je fais l'épisode, on est en décembre 2020. Je pense que la nouvelle saison, elle arrivera pour 2021. Parce que j'ai beaucoup d'épisodes, en fait, faits d'avance, là. Et le temps qu'ils sortent et tout ça, je pense que... Enfin, de toute façon, je les mettrai pour les membres directement, comme ça ils pourront voir. Mais ça sortira en 2021, je pense, du coup. Ouais, pour 2021, on fera ça. Ça a l'air pas mal. Ah oui, et dernière chose, je vais un peu attendre aussi le temps qu'il y ait des mises à jour, parce qu'on a eu qu'un seul fixe depuis que le jeu est sorti. Mais on a encore des problèmes, genre par exemple les touches qui sont pas sauvegardées, des trucs comme ça. Donc je vais encore attendre un peu. Avant de vraiment officialiser le commencement de la nouvelle saison. Parce qu'il faut qu'ils fixent pas mal de choses, les développeurs encore dans le jeu. Et j'ai peur que ça influe en fait sur notre survie. Voilà. Bon, j'ai énormément parlé, on va se quitter là. Bon, ça va, je me casse. C'est bon, je me casse. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao.